Il était un amoureux de la littérature anglaise et des grands opéras. Franco Zeffirelli s'était un samedi à l'âge de 96 ans dans sa maison de Rome. Le réalisateur italien qui a tourné avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, Mel Gibson ou encore Glenn Close avait tout appris de son mentor Luchino Visconti. Réalisateur, scénariste, producteur, Franco Zeffirelli a signé une vingtaine de longs métrages dans sa carrière. Son film le plus connu, Roméo et Juliette, tourné en 1968, est une adaptation de Shakespeare auquel il a aussi emprunté Hamlet et La mégère apprivoisée, une fidélité au dramaturge britannique qui lui a valu en 2004 le titre de sœur en Angleterre. Au-delà du cinéma, il a aussi mis en scène plus d'une trentaine de pièces de théâtre et d'opéras.